Allez, c'est ma tournée. Ah, merci vieux. C'est dans combien de temps la séance? Oh, on a encore le temps. J'ai trop hâte. Je suis amoureux des Mastones depuis Supergrave. Ouais, c'est pas mon délire, moi. C'est pas ton délire? C'est quoi le problème avec elle? Bon, je la trouve pas extraordinaire, c'est tout. Excuse-moi, donc... Imaginons que tu la croises en soirée. T'essaies même pas de la pécho? Non. Emma Stone, tu vois qui c'est? Je te comprends pas, là. Non, j'ai pas la même catégorie. Elle a 30 ans, moi. Voilà. C'est tes seules raisons? Moi, je trouve l'âge, c'est pas un problème. Ça me bloque pas. Et en plus, oublie la soirée. Là, elle sort une sextape, là. Tu la regardes? Bon, pff, comme la majorité des gens, je pense que oui. Mais pas jusqu'au bout. Moi, j'irai jusqu'au bout. Et plusieurs fois. De toute façon, j'aime pas les sextapes. J'aime pas ça. T'aimes pas les sextapes? C'est chelou, ça, comme prise de position. Pourquoi? Trop réel. Trop réel. Trop réel. Je peux pas me lébranler si je vois ce qui se passe vraiment. T'es conscient que c'est le principe, quand même. Puis... T'as déjà fait l'amour? Bah oui. Donc tu sais ce qui se passe? Pourquoi tu... Je vais t'expliquer. En fait, c'est plus un problème d'identification, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que quand je vois la grosse teub du mec là, pleine de veines, qui essaye de rentrer dans la chatte de la meuf, qui crie en plus, bah moi ça me fait pas kiffer, j'ai besoin de me mettre à la place du mec, tu vois. C'est tout. Alors déjà, quel genre de porno tu regardes? Et ensuite, pourquoi t'es extrêmement chelou comme ça? Je connaissais pas cette facette de toi. Bah non, mais c'est juste que... Moi je suis plus FPS, tu vois ce que je veux dire? Plus première personne. La troisième personne, c'est nul. C'est pas pareil du tout. Moi je déteste les FPS par exemple. Du coup ta métaphore elle marche pas pour moi. De toute façon toi et moi on est bien trop différents sur ce sujet pour s'entendre. Bien sûr. Ouais. Mais du coup attends, juste un truc, ça m'intéresse. Pour toi c'est qui la meuf la plus belle du monde? Beyoncé. Ou à l'époque de Tomb Raider, Angelina Jolie elle était qualité. Non, Angelina Jolie, ok, on est tous d'accord. Mais Beyoncé, elle est surcotée, mec. Bon, de toute façon j'en ai marre d'écouter tes conneries sur Beyoncé, sur Angelina Jolie. On va y aller, on va rater les bandes annonces. Les bandes annonces? Oui, les bandes annonces. Mais je déteste les bandes annonces, putain. Bonjour monsieur, qu'est-ce que je vous sers? Un coca s'il vous plaît. Parfait. T'es sérieux mec, j'avais dit rendez-vous 15h30. Bah quoi? 10 minutes de retard ça va? Oh, détends-toi. Si je voulais que t'arrives à 15h40, j'aurais dit rendez-vous 15h40. Quand je te dis rendez-vous 15h30, tu te ramènes à 15h30. Tu veux continuer à perdre ton temps là ou tu veux commencer à me parler? T'as une club? Ouais. Mais tu fumes toi maintenant? Ouais, ça me détend. T'as du feu? Non, c'est des lycéens. Ils me l'ont tapé tout à l'heure. Putain, quand tu veux que je fume? Ouais, laisse tomber. De quoi? Bref. T'as vu le gars ou pas? De quoi? J'entends pas ce que tu dis. T'as vu le gars? Qui ça? Quel gars? Le gars. Attends, t'as vu le gars pour les armes, oui ou non? Le coca pour monsieur. Et pour lui, qu'est-ce que ce sera? Rien, rien, il lui faut rien. Vous êtes serveur, vous faites votre job de serveur, y'a aucun souci. Mais vous arrêtez de venir ici, d'accord? Tant que je suis assis là, cette table n'existe plus. Compris? Très bien, pardonnez-moi. Alors là, il est pas prêt de revenir, hein. Bon, réponds à ma question, putain. Quelle question? Mais t'as vu le gars pour les armes, oui ou non? Ah oui, oui, je l'ai vu, ouais, ouais. Ouais. Bon, cool. Sauf que... Sauf que quoi? Bah le truc, c'est que il m'a... Putain, dépêche-toi de me le dire là, que je te casse pas la gueule pour rien. Pas donner les armes. Mais t'as dit que tu l'avais vu? Comment ça, il a pas voulu te donner les armes? Mais oui, je l'ai vu, je l'ai vu. En plus, ça s'est bien passé. Mais, enfin, une chose en a amené une autre, tout ça, et au final, je suis parti, et j'ai complètement oublié. Mais t'inquiète, hein, t'inquiète.
J'ai trouvé une solution. Je suis allé dans le magasin d'à côté et j'ai pris des vrais faux flingues, en fait. Mais ils sont vraisemblables, hein, en vrai, hein. Je te jure. Tiens, regarde. Stop. Ouais, et du coup, ben... Voilà. Mais je pense que ça fera l'affaire. Si on s'en sort vivant, c'est moi qui te bute, mec, je te promets. Ça va, oh. J'ai oublié, j'ai merdé, ça arrive. Putain, non. Mais t'avais une seule tâche. Je t'ai donné un seul job à faire et t'as pas été capable de le faire correctement. Un seul. Vas-y aussi, dis que je sers à rien, là. Putain, tu sers à rien. C'est moi qui trouvais les lieux, c'est moi qui montais l'équipe. Mais moi, je... Tu sais que j'ai pris des risques à aller chez lui, hein. Bien que c'était sympa, j'ai pris des risques. Putain, c'est même moi qui vais payer l'addition, là. Tu sais que j'aurais pu te payer en plus. Ah ouais, t'as des sous sur toi? Maintenant que tu le dis, enfin, je pensais. Bon, allez, passe-moi les flingues, on y va. J'aime pas les bandes annonces. Ouais, non, je m'en fous, tu me répètes ça à chaque fois, allez, on y va. Ok, c'est un club, les gars, tout le monde à terre. Pour toi. La caisse, vite. Vous pouvez arrêter de me braquer, s'il vous plaît, ça m'énerve. Jure, c'est le principe, abruti, dépêche-toi. Mais ça va, on n'est pas obligé d'en arriver là. Si vous saviez ce que l'on a à foutre, moi, de cet argent. Vous vous rendez compte que mon patron prend une partie de mes pourboires? Bien fait pour sa gueule. Police! Ricky! C'était des faux. Pardon? Les flingues, c'était des faux, putain, vous l'avez tué! Ricky! Oh, putain, c'est du plastique. Non mais, j'ai pas fait, enfin, il fallait les arrêter. J'ai froid quand même. Mais non, t'inquiète. Putain, appelez une ambulance, vous! Ricky. Ricky. Je veux la lumière. Mais non, éloigne-toi de la lumière. Éloigne-toi de la lumière, ok? Tu restes avec nous. Elle a une forme. Une méduse. On dirait une méduse. Voyons, on en arrive avec vos conneries, là. Bien sûr, qui c'est qui va devoir tout nettoyer? C'est moi, évidemment. Qu'est-ce que je vais aller raconter à mon boss, moi, maintenant? Putain, quel job de merde. Non mais Thomas, fallait les arrêter, là. Même si c'était des... Je vais aller en tôle, mec. Faut qu'on se tire. Mais je suis dans mes droits, là. Les flics vont arriver. Faut faire vite, là. Mec, profiter de cette ville sur le dos des défunts, ça... Je peux plus supporter. On aurait jamais dû faire ce qu'on a fait dans ce bar. Arrête d'y penser. On a fait ce qu'on avait à faire. Maintenant, toi et moi... Ça, la vie à la mort, en fait. Alors profite. Viens, on va manger une crêpe. Pas de cake, plutôt?